Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'aspirateur, injecteur, extracteur de chez Lidl. Donc, c'est la marque Parkside. Donc, c'est celui-ci. Je vous le montre aujourd'hui parce qu'en fait, il est en vente depuis ce matin. Et c'est un super bon plan parce qu'il vaut 99 euros. De 99 euros, donc autant vous dire que nous, on l'a acheté directement, on l'attendait puisque c'est un peu similaire au Karcher, Bissell, mais les Bissell et Karcher sont 10 fois plus chers. Et la marque Parkside, on n'en est pas mécontent. Donc voilà comment il se présente. De toute façon, on va vous faire un déballage. Donc il est déjà ouvert parce que bien sûr, on a regardé ce qu'il y avait dedans. Donc il est garanti 3 ans, surtout gardez bien le ticket de caisse. Voilà, donc maximum 250 watts, 20 litres, il y a 2 mètres de câble, 7,5 mètres. Voilà, hop, débit de pulvérisation, vous avez tout écrit. Vous avez dedans donc des buses qui sont fournies. Vous avez une buse pour le nettoyage des textiles, une buse avec un embout pour surface dure, une buse de sol, un suceur, spécial tissu d'ameublement. Voilà, vous avez vraiment tout, donc idéal pour le nettoyage des surfaces textiles telles que les moquettes, les coussins ou les sièges de voiture. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le canapé et voilà, on va vous faire un petit déballage en musique pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite on passe au nettoyage. Donc voici tous les éléments qu'il y a dans le carton. Donc on va tout assembler. Vous avez bien tout. Vous avez même, vous pouvez aspirer aussi normalement sans pour autant utiliser ces deux produits-là. Enfin ces deux embouts-là. Et je voulais vous montrer dedans, il y a un sachet comme ça de nettoyant pour tapis et meubles rembourrés. Voilà, donc c'est un petit sachet comme ça. Donc il y a combien? Il y a 100 ml dedans. Donc ils disent que je crois que ça fait 2 doses ou quelque chose comme ça. Voilà, vous avez un petit sachet comme ça. Donc bien sûr, si vous voulez utiliser des produits, parce que là, il n'y a qu'un petit sachet. Et je crois qu'il n'y a pas de produits vendus à part chez Lidl pour cet appareil. Enfin, du moins, en magasin, on n'en a pas vu, peut-être. Hein. De toute façon, c'est la marque W5. Et la marque W5, pour ceux qui connaissent bien Lidl, ils y sont, ces produits-là, W5, chez Lidl. Puisqu'en fait, ce sont des produits d'entretien. Donc du coup, il faut regarder dans les produits d'entretien parce que tout ce qui est produits vaisselle et tout, W5, c'est une marque de produits d'entretien. Donc voilà, sinon, on pouvait utiliser d'autres produits. Là, on en a commandé, mais de la marque Karcher pour mettre dedans. Vous pouvez en trouver sur Amazon. Enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre des produits de la marque Lidl. Voilà, donc là, c'est parti. On va monter la machine. Donc voilà, il est monté. Donc à savoir que comme c'est neuf, les embouts comme ça sont un peu durs à mettre. Voilà, petite précision si vous l'achetez. Et aussi, je voulais vous dire que si vous n'utilisez pas la fonction pour nettoyer avec le deux embouts, mais que vous voulez utiliser l'embout normal pour aspirer votre maison, c'est un aspirateur avec des sacs. Voilà, donc prévoir des sacs, puisque là, en fait, il n'y en a qu'un dans le carton. Donc prévoyez en d'autres si vous voulez l'utiliser également pour le quotidien, aspirer la maison. Voilà, mais sinon voilà la bête. Donc du coup, on va s'en servir sur le canapé, on va vous montrer tout ça.
Donc, bilan de l'aspirateur Parkside. Donc, je vais vous donner un peu mon bilan. Donc, déjà, niveau prix, c'est très correct, puisque comme je vous disais, 99 euros, contrairement au Bissell et au Karcher qui vont à peu près, bon, là, on en a dans les 100 euros, mais voire 200 balles. Donc, du coup, niveau prix, c'est super abordable. En plus de ça, bah, Parkside, c'est une marque qu'on connaît, puisque ce sont des outils, etc. Nous, on n'a jamais eu aucun problème. Je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes, mais bon, nous, non. Alors, donc du coup, alors une chose à savoir, c'est que comme vous avez vu, il y a un sachet de W7 dedans. Vous pouvez mettre n'importe quel produit pour injecteur, extracteur. Voilà. Nous, on a commandé des produits de chez Karcher. Je vous montrerai quand je les recevrai. Enfin, je vais vous mettre d'ailleurs une petite photo ici des produits qu'on a pris parce que le temps de les recevoir, la vidéo sera déjà en ligne. Donc, on a pris ceux-là. Vous pouvez en trouver partout sur Amazon. Vous tapez, il y en a partout. Il y en a qui utilisent le fameux produit rose de chez Action. On verra plus tard. Peut-être que je vous ferai un test avec. Je ne sais pas encore. Vous verrez ça. Alors, quand vous injectez, enfin, quand vous mettez vous utilisez l'injecteur, par contre, ça en fout partout. Hein, comme vous voyez, il y a plein de traces. Mais bon, ça, c'est normal. Il y en a partout. Ça gicle. Donc, vous avez vu dans la démonstration. Après, sinon, franchement, il fonctionne bien. Pour 99 euros, franchement, c'est super. Bah, c'est top quoi parce que c'est pas cher et en plus de ça bah ça fait son affaire. On n'a pas aspiré la maison encore avec, mais bon, étant donné que ça sert aussi d'aspirateur simple, je pense qu'il n'y a aucun problème. Un aspirateur, ça reste un aspirateur. Mais pour la fonction aspirateur, injecteur, extracteur, il fait son affaire, il fait son job. Donc du coup, on essaiera de faire sur une voiture et je vous ferai une vidéo autre sur une voiture si cela vous intéresse. Mais en tout cas, ça fait son job et c'est pas cher. Donc c'est en vente depuis ce matin. Donc n'hésitez pas à vous le procurer puisque je crois qu'il reste une semaine. Et après, c'est un nouveau catalogue. Donc il y a des nouveaux produits. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Un petit cadeau. Voulez-vous faire un petit cadeau? 99 euros. Ça peut faire un petit coup pour certains, mais c'est toujours moins cher qu'un Bissell ou un Karcher. Donc là, du coup, je vous montre un petit peu le canapé si je me casse pas la gueule. Donc la tache là, il y a une tache incrustée, par contre on n'arrive pas du tout à la voir. Même en mettant du produit, en utilisant la machine, impossible de la voir. Sinon, franchement, bah ça requinque un peu, hein, ça lui donne. Il est moins terne déjà qu'au départ, hein, vous avez vu, là il est quand même un peu plus marron. Il est beaucoup moins terne, donc moi c'est un canapé en tissu, hein, je tiens à rappeler. Ça a enlevé pas mal de saleté, hein, vous avez vu, c'était dégueulasse dans la cuve. Et en plus de ça, franchement. Il y en a beaucoup qui vont me demander au niveau du canapé pour combien de temps. Alors, il est mouillé, mais il n'est pas pourri. Je veux dire, il est légèrement humide et je pense que d'ici 1 heure et demie, 2 heures, il est sec, on va dire. Parce que là, franchement, il n'est pas pourri. Contrairement au Karcher qu'on avait déjà testé, mon canapé était trempé. Et là, en fait, il est légèrement humide. Il n'est pas pourri, il est humide. Donc, d'ici, ouais, une bonne heure, il est sec. Voilà. Donc, surtout, après que vous ayez utilisé l'appareil, ne vous asseyez pas sur le canapé. Il faut attendre qu'il sèche. Et le produit sent bon aussi. Voilà. Le produit sent bon. Vous avez une légère odeur après. Mais, voilà. Donc, mis à part la tache qui est vraiment, c'est une tache qui date des mois et des mois. Donc, elle est incrustée. On n'a pas réussi à l'enlever. Mais sinon, vous voyez, ça redonne du peps au canapé. Ça lui redonne de la couleur. Et ça fait son job. Voilà. Donc n'hésitez pas, il est en vente chez Lidl et je vous ferai d'autres vidéos à l'intérieur d'une voiture si vous voulez pour vous montrer également bah, que ça fonctionne surtout hein, tout ce qui est tissu. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez déjà testé, si vous avez un Bissell ou un Karcher, peu importe. Et voilà, n'hésitez pas à papoter en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et je vous souhaite une bonne journée.